Tiens donc, pourquoi j'ai une coupure de courant? Mais toute la ville est coupée. Même mon téléphone n'a plus de réseau. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Hey yo, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Faux, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve un dimanche, tranquille pépère, sur GTA, en mode Ghost Rider. Ouais, bref, je vous explique un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement, et que je me montre en face cam. Déjà, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en face cam et un petit peu en délire, etc. sur ma chaîne. Et que premièrement, bah, vous avez apprécié la petite vidéo vite fait, que t'es vite fait, je trouvais ça drôle au fait de... des voitures qui bougent, etc. Ça sort un petit peu de l'ordinaire de GTA. Et du coup, je me suis dit, je vais publier ça en cours de vidéo. Et vous avez quand même eu, été plusieurs à l'apprécier. Et je vous en remercie. J'espère que cette vidéo va être appréciable pour vous. En tout cas, bref, je vois pas où est le problème. Hein. J'ai du feu sur moi. Je vois pas où est le problème. C'est... Bon, ok, il y a aussi le fait. Hop, on va sauter. Il y a aussi le fait que, bon, le courant est coupé, mais c'est pas de ma faute. Je vois rien. Je ne vois rien, absolument rien. Non, bah non, en fait, je sens rien, globalement. Par contre, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre. Hein. Il y a des citoyens, mais il y a personne. Il y a vraiment personne. Pourquoi tu cours? Mais... Parce que je suis différent! C'est pour ça! Non mais... Oh! Arrête de courir! De toute façon, je cours plus vite que toi! Voilà, prends feu! Voilà! Au moins, t'es comme moi! Non! Ah non! Bah apparemment, tu meurs! Mais pourquoi, en fait, les gens... Bonjour! Non, ça dérange pas que je sois en feu? Bon, ah si! Ah bah j'arrive même à cramer des véhicules. Oh bon. C'est quand même bizarre. Mais c'est quand même bizarre. Pourquoi les gens... Mais what the fuck, vous êtes étonnés? Mais pourquoi vous êtes étonnés, pas moi? Ah, vous aimeriez peut-être avoir les mêmes pouvoirs que moi. C'est peut-être ça. Non, 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 non. Ouais, mon parachute ne prend jamais feu. La 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 la. Bon, wow. Il y a de la discrimination. J'ai bien envie d'aller voir au poste de police pour porter plainte parce que les gens, juste parce que je suis en feu, bah ils ont peur en fait. C'est pas de ma faute. Quoi, il y a de la police? Il y a de la police dans ce monde de discrimination? Juste parce que je suis différent? Paniquer. Tiens, il y a des gyrophares. Oh, je suis désolé, monsieur, mais bon, désolé. Tout ce que je touche brûle. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce comico? Il y a quelqu'un? Ouais, puis c'est évidemment que j'ai pas de lampe. What? Je suis en train de cramer le poste de police. Wow. Pourquoi il n'y a personne? Il n'y a personne. Oula, mais je crame tout, en fait. Je vais sortir d'ici. Ah! Moi-même, j'ai peur de mes pouvoirs. Oula, j'ai pris quoi? J'ai des pare-balles? Wow, magnifique! Tu parles d'une loi! Il n'y a aucun agent de police dans le poste de police! Wow, magnifique!
On sort de tri, y a même pas de courant. Encore des gens qui payent pas leurs factures. Hein. Oh là là. Ou alors c'est peut-être toute la ville qui ne paye pas leurs factures d'électricité. Bon, j'ai quand même bien envie d'avoir des agents de police. Bonjour madame. Ah, enfin, quelqu'un qui me craint pas. Mais il y a personne. Tout ce que je touche prend feu. Non mais vraiment. Il faut aller s'en douter. Oh shit, mais pourquoi? Pourquoi monsieur vous... Vous vous sentez différent? Regardez. Regardez, je vous touche, vous prenez feu. Ah. Mais monsieur l'agent, c'est absolument pas moi. Regardez, tout ce que je touche prend feu. Absolument pas moi. Pourquoi vous aussi vous voulez m'arrêter? Mais regardez, approchez-vous de moi. Regardez, c'est pas moi. Monsieur l'agent. Putain, même la police dans cette ville est discriminatoire. Non mais... Oh là 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 là. Regardez-moi ça, la police il roule sans phare. Non mais... Oh là 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 là. Je suis désolé monsieur. Hein, mais... Ah, je suis pas sûr, mais je crois qu'on est en train de me tirer dessus. Bonjour. Monsieur, mon feu s'éteint dans le bus. Attends, je comprends pas. D'accord, donc le bus éteint mon feu. Génial. Mais moi, je suis très bien avec mon feu. Au moins, je n'ai pas froid. Hey, je suis au moins préparé à l'hiver. Oh, des parisiennes, oh, des prostituées. Allez brûler. Au moins, vous aurez chaud tout cet hiver. Pourquoi me faire dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu là pour porter plainte au poste de police et le poste de police me tire dessus. Enfin, les policiers me tirent dessus. Ça n'a aucun putain de sens. Mais arrêtez de me tirer dessus. Oui, ok, je suis en feu, mais bon... vous avez qu'à être en feu. Bon, bah on va fuir à la police, hein, parce que de toute façon, il faut que j'aille porter plainte, on va y aller. Elle va être pitchée, on va voir. Bon, déjà, je vais aller me véhiculer. Mais bon, le problème, c'est que chaque véhicule que je touche prend feu. Oups, je suis pas sûr, mais je crois que... Ah, il y a un problème. Il y a quand même un problème, monsieur l'agent. La moto prend feu, monsieur l'agent. Apparemment, il n'y a rien à foutre. Faire... Bon, allez. Oh, bah, c'est con. Vous avez plus de voiture. Trop bien. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, je me demande bien quand le jour va se lever. Ça fait des jours. Aïe. Mais. C'est quand même dingue, ça. Une diffé. Juste parce que je suis différent. Allez, regarde, je vais te toucher, hop, et tu vas prendre feu. Voilà. Bah oui, logique. Bon, bah raté. Au moins, mon parachute, il n'est pas discriminatoire. Bon, allons au poste de police. Bon, on va aller au poste de police et au moins, peut-être que eux me diront que, bah, pourquoi les gens sont discriminatoires avec moi. Je vois pas pourquoi tout le monde est discriminatoire. Ok, la ville est coupée de courant, mais bon, voilà. C'est pas de ma faute. Moi, je crée le feu et la chaleur. Aïe. Ah non, c'est vrai. Le feu me vole déjà. Un matin, je me suis levé. Aïe! Ah non, c'est vrai, je brûle. Putain, faut que j'arrête. Un matin, je me suis levé. Tout allait bien. Et le lendemain, je me relève. Bonjour, madame. Est-ce que vous... Ah bah vous aussi, apparemment, vous prenez feu. D'accord.
comprends pas pourquoi. Pourquoi vous prenez feu? Je suis pourtant un humain normal. Bon, certes, avec du feu. Mais... je sais pas, bref. Du coup, je vous disais... je me suis dit... si j'ai du feu sur moi, autant m'en servir pour réchauffer tout le monde. Mais apparemment, les gens sont tous étonnés. Même lui, regardez. Bon, bah ouais, hein, monsieur. Mais le feu, ça brûle. Bonjour. Non mais monsieur, votre collègue, en fait, il a voulu se réchauffer, mais beaucoup trop près. Monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour monsieur. Monsieur, vous voulez... ah. J'en ai marre. À chaque fois, il se passe toujours un truc. Je comprends pas, je suis un humain normal. Bon, ok, j'avoue, avec du feu, mais bon, ça c'est... bon. Eh ben, écoutez, puisque c'est comme ça, je vais aller essayer de m'éteindre. Mais bon, c'est le problème. Est-ce que je vais vraiment m'éteindre? Je ne sais pas. En plus, il pleut, ça devrait m'éteindre, donc je doute que je m'éteigne avec de la mer, de l'eau de mer. On va toujours tenter, hein, mais avant... bonjour, madame. Je suis obligé de vous brûler. Hein, je suis désolé, avant, je me fais un petit kiff, hein, je vous brûle un petit peu tous. D'accord. Voilà. Tous ceux qui sont sur mon passage, ils me brûlent, ils vont brûler. Bonjour monsieur, désolé vous brûlez. Hein, je... bon, vous avez de la chance, vous êtes plus sur mon chemin. Bon bah, j'ai envie de dire, on va se jeter dans l'eau. On va voir si le feu s'éteint. Logiquement, avec du feu, avec de l'eau, pardon. Je devrais m'éteindre. Je ne sais pas. Ou peut-être que... vu que je suis habitué au chaud, peut-être que l'eau de mer va me noyer. Madame, désolé, mais... désolé, mais vous voulez. Voyons voir. A priori, l'eau de mer ne me fait rien, en fait. Bon, bah... je suis... ah, ah bah si, au fait. Bon, bah voilà, j'ai été sauvé. Enfin, sauvé. Je sais pas jusqu'à combien de temps. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 12 minutes en deux vidéos, enfin à peu près 13 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos avec des modes, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser votre avis positif, de lâcher votre like. Et au moins, plus il y a de likes, plus je saurai que cette vidéo vous plaît. Du coup, bah, je referai ce genre de vidéo, évidemment. Peut-être pas tous les dimanches, peut-être pas tous les week-ends, parce que vous savez qu'en général, je ne fais pas de vidéo le week-end. Mais bon, voilà, c'était pour vous remercier de la première vidéo de 1 minute qui vous a plu. Bref, sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. D'ailleurs, on se retrouve dès demain pour détruire des trois bécoles humaines. Sur ce, c'était Monsieur Fool. Ciao, bye bye.